Au Canadien, tozalinde ba associé. Ah bon? Entre Église catholique na biso, c'est 50-50. Oh. Église catholique a offrir biso. Cadre, il y a ba chrétien musus bazar na, mais bisopé to mobiliser ba combattant na biso, ba koti, ba église, ba marché. Tro balilo ba laïc catholique de cardinal bande quoi sain koto ba ça le ba ta opposition. C'est là où le pouvoir ne comprend rien. Vision abisso, ba déshydratant abisso. Et zali ko kuta nana oya église catholique en tant que société civile, tous zali biso nyonso ba. Pourquoi dites-vous, cardinal, être dessus des leaders PES au pouvoir aujourd'hui? Bon, vous-même, vous observez la réalité. L'IDPS, c'est le parti de Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Et qu'est-ce que cet homme n'a pas fait pour préparer au Congo un avenir meilleur? Malheureusement, la réalité que nous constatons depuis que ce parti est aux affaires, c'est une sorte de renversement de rôle. L'Église catholique, qui a toujours été soutenue, même applaudie par ces partis, est présentée aujourd'hui comme l'épouvantail. L'Église catholique est devenue la bête noire à abattre, en commençant par son cardinal. Vous avez été témoin des attaques qui se sont passées ici à mon bureau et à ma résidence en plein jour. Et nous savons tout ce qui s'était passé, d'où ils sont partis et qui les avait chauffés à blanc pour qu'ils viennent ici. Nous connaissons tout ça. Et nous sommes plutôt tristes. Nous sommes plutôt tristes. Est-ce que pas parce que les responsables de l'Église que vous êtes aujourd'hui sont qualifiés d'être trop proches des opposants Katumbi, Fayulu, c'est ce qui ne justifierait peut-être pas cette attitude? Mais hier, le parti du président Joseph Kabila nous accusait de rouler pour l'UDPS, pour MLC. Et c'est une rhétorique qui est connue dans ce pays. Quand on est au pouvoir, on ne veut pas entendre une voix discordante, et celui qui tient une voix discordante est assimilé aux opposants et on va l'accuser de rouler pour l'opposition. Et c'est le même discours que nous entendons aujourd'hui. Pour nous, ça ne nous étonne pas. Mais ce qui nous surprend, c'est la tendance à l'insulte, la culture d'insulte, des menaces, de recours à la violence pour intimider les gens. Nous n'avons jamais vu ça dans ce pays. Vous en recevez le menace, vous? Vous n'avez qu'à lire tout ce qu'on écrit sur moi, sur les réseaux, etc. Et ben, qu'est-ce que vous voulez comme menace? On est venu m'attaquer ici à la maison. Je crois que ça a été un fait public. Moi, je me sens aujourd'hui en insécurité dans la ville de Kinshasa. Je me sens en insécurité. Pourquoi dites-vous, vous ne pensez peut-être pas que c'est grave quand le cardinal s'est dit être en insécurité à Kinshasa? C'est parce que les gens qui nous insultent, généralement, ce sont des gens qui sont manipulés. Ce ne sont pas des vrais responsables qui assument ce qu'ils font. Ce sont des gens qui sont manipulés. Et je ne peux pas savoir de quel côté viendra les attaques de demain. Nous savons qui les manipule. Mais ceux qui sont manipulés, nous ne les connaissons pas. Ça peut être un conducteur de moto, ça peut être un conducteur de voiture, ça peut être un piéton. Donc, il y a un problème d'insécurité ici à Kinshasa pour le cardinal. Merci beaucoup. Merci. Les consultations se poursuivent. Fini la récréation. Fini. Aujourd'hui ou jamais. Union sacrée, mon imbécile.
Les jeunes sont venus passer leur message au chairman Moïse Katumbi. À l'instant, ici. Il est 20 heures passées. Hein. Ils sont en train d'être entretenus par le coordonnateur de Kinshasa. Hein. Ben voilà. Honorable, il semble que vous avez levé l'option d'entériner Kadima et de, selon les médias qu'on a suivis, rester dans l'Union sacrée. Non, on n'a jamais levé l'option, d'où l'importance de ces consultations. Donc le président est en train de consulter, il a consulté les ambassadeurs, il a consulté nos élus. Là, il est en train de consulter les associations, il a consulté les femmes qui font partie quand même de notre parti politique. Vous avez quitté ou vous êtes resté? Je vous dis pour les gens qui nous suivent, on a dit que vous êtes resté. Je ne suis qu'un coordonnateur de la ville province de Kinshasa et je ne suis qu'un porte-parole. Je porte la parole qu'on me donne. Donc jusqu'aujourd'hui, Moïse Katumbi n'a pas encore donné la parole. Il donnera cette parole. Et ce qu'on a suivi le matin, disons que vous êtes resté dans l'Union sacrée. Mais écoutez, le RFI a utilisé le conditionnel, ce qui n'est pas réel dans le présent. C'est l'irréel dans le présent lorsqu'on utilise le conditionnel. Mais ce que je vous dis, c'est que le président est en train de consulter et ça ne sera pas la décision de Moïse Katumbi seul. Ça sera la décision de sa famille politique. Il n'est pas dictateur, il consulte, il note. Vous voyez bien que ça fait 2 jours que nous sommes en train de recevoir les groupes, on reçoit les associations, on reçoit tout le monde. Donc, et c'est seulement à la fin qu'il donnera la position qui sera la position de sa famille politique, mais consulte aussi au-delà de la famille politique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres responsables aussi qui sont dans l'Union sacrée que Moïse Katumbi doit aussi consulter pour finalement trouver la voie à suivre. Parce qu'il s'agit du problème de la République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas d'un problème qui se limiterait autour de Moïse Katumbi. C'est une décision qu'il doit prendre par rapport à tout ce qu'il va entendre. Honorable Francis Kalambo, merci. Merci beaucoup. Tant, Monsieur le Président, vous nous avez promis que nous allons fêter Noël et bonne année sans massacre et maladie à virus Ebola. Bâtimentaire! Vous nous avez promis un Congo nouveau et prospère. Bâtimentaire! Vous nous avez promis la gratuité scolaire de l'éducation de base. Bâtimentaire! Vous nous avez promis de déboulonner le système dictatorial au Congo. Bâtimentaire! Vous nous avez promis d'améliorer urgentement la vie. Ce qui est bon, c'est que le biseau est de baisse. Donc, vous qui connaissez le pouvoir, en tout cas, vous êtes tous. Pendant que vous êtes en opposition, vous voyez, ma biseau vient de. La 2023, on est pour vous, ma biseau.